The risk is the condition of there being life. You see, for all, life is an act of faith and an act of gamble, because you don't really know that the floor is not going to give under your feet. The moment you take a step, what an act of faith. The moment you take a journey, what an act of faith. The willingness to fail, the willingness to try, to experiment, the willingness to take some chances. What's the first thing they say when you get on an airplane before they take off? Fasten your seatbelt. Why? Because you will experience some turbulence before you reach a comfortable altitude. I don't care how good you are, I don't care how talented you are, there are some times when things aren't going to go right that you did not anticipate. There are times when anything that can happen will happen. And you can either let it destroy your life or you can build upon it. You can permit it to let it hold you down, or you can decide, I'm not going to let that happen to me. I'm bigger than this. You'll get knocked down, but you won't be knocked out. Make a declaration to yourself. Declare all out war that you're going to get out of this rut. I suggest to you that if you are facing a challenge, don't stop. Continue to move. Stay busy, stay busy, stay busy. Work your plan. It's not easy, but through practice and practice and practice, practice makes improvement. Because what you give is what you get. A true hunter is wired differently. Wired differently. Doesn't have the same makeup. There's some of you that have opportunities that you're like, it's too difficult. It's too hard. Nobody can do it. You're not wired properly. A lion welcomes a challenge. As a matter of fact, they don't get excited unless it is a challenge. I lost 5 aunts to cancer in the last 6 years. I'm a lion. I'm wired differently. I didn't start crying. I didn't say, why me? I'm not hurting anybody. Why me? I'm wired differently. We turn tragedy into triumph. That's what lions do. Lions don't cry. Lions don't give up. Lions don't quit. Lions hunt. That's what we do for a living. Bonjour, welcome to Welcome TV. Nous sommes ici en Angleterre en direct à la télévision. Alors, actualité zébelle comme d'habitude. Avant tout, bandana, bota na nous bando yo de konabiso. Valentin Moubake ndenge a lobela ki fayulu a bongo sema na wazonga na bino ndenge na bisa fayulu boy. Vous savez, dans la vie il faut savoir ce que l'on veut. Dans la vie il faut être conséquent. Ye moko ayebi pona nina ebise bon. Vous ne pouvez pas hier soutenir Chilombo leloyo okomi ko vilipande Chilombo motomabe Chilombo ayebi eloko mokote, mais yo ponaka Chilombo premier ministre oponaka ye contre Moubake. Valeur est au trouvaka na Chilombo. Yebisa biso yango lelo. Yebisa biso yango lelo.
yo koboya siko ye natina nini po azala kande candidat na yo il paraît même au okay, Genève c'était votre candidat en plus donc il faut assumer makambo zali ko sala il faut assumer yango kobina kabina katendenga na komi komona oza kobina ka il faut aussi sa makamunyo swana le Congo n'a pas besoin na ba danse na ba yembo wana le... Pardon, Bolim Bizajdou. Azako Bina, Kakenewa, Bazako Yembele, Azako Bina. Le Congo n'a pas besoin de ça. Welcome, Bas, welcome to you. Moni, Valate Mouba, Keninga Lubi. Donc, a craché vraiment sur Fayoulou. Mouba qui crache sur Fayoulou. Il faut arrêter de danser partout. Le Congo n'a pas besoin de danser. Il faut savoir ce que l'on fait dans la vie. Il faut être conséquent. Vous ne pouvez pas hier soutenir Félix Tshisekedi de Tshilombo et aujourd'hui, tu commences à les vilipender. Toutes les valeurs que tu avais trouvées en lui sont parties où? Il paraît même que lorsque vous étiez allé à Genève, il était votre candidat. Il faut assumer ce que tu es en train de faire. Arrête de danser partout comme je suis en train de te voir. Le Congo n'a pas besoin de danse et toutes ces autres choses a déclaré Valentin Moubake. Bomoni Valentin Moubake yemoko azalaka na bango yemoko ayebi makamuno se bazo sala. Il est contre muto nani Fayulu comme je dis que aza kandida moko malere. Il faut vraiment koza la motema mabe bina zoloba. Koza motema mabe pona ozala Félix Tshisekedi Azali, président élu na Congo, si pour le moment c'est lui. Nere Bazalaki ensemble, wana, qui opposa à ce pouvoir, Yusu s'opposa aux alara contre yé, banarotambo la ko kinaba, baba kambeken si yé. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Nazo kana mawanan kele, tant la omuna, mahamu, fayu la osala. Mais peuple congolais, zostenga na biso, ne tozolo bake. Si nous avons besoin vraiment, il y a notre pays, le Congo et Kendeli Bosso, il faut premièrement avoir l'amour, aimer-nous les uns les autres. Tous en abolingoana, tous en araba soif de pouvoir te, tous en la jalousie na kati na bon monabato, tous en la ki jalousie, tant que jalousie l'ongwe, mbokezo kende bien. Bogota la vidéo, moi on a l'accibino, ah, au moins on a nengé, tant que président Félix Tshisekedi Kenya et États-Unis. Nous sommes un Américain, un Américain dans quatre assemblées, qui a vendu le Zolo, qui a lobby, qui a félicité le président Félix. Nous avons sali pendant le jour où nous avons le pouvoir. Nous avons félicité, nous avons la paix entre Congo et Rwanda. Nous avons un Américain qui a fait le Zolo. Si les Américains pouvaient déjà, donc, à lobby, il y a un a félicité Félix Tshisekedi n'engue pas à nommer deuxième vice-président de l'Union africaine. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Donc, cela veut dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons problème pour rien. Donc, nous avons dit distraction nous avons dans la place du Cambrésaté. Alors, nous avons dit que Congo et Zambo ont dit que nous avons et aussi quand on a vu surtout dans la bolingo et aussi quand on a vu surtout dans la bolingana dans tout le monde l'esprit a jalousie des nalobi tu as vu que dans la matanga papa a vu surtout Simon le kusundu mbakufi donc ils ont vraiment participé mawa mais à l'obare le rumoro muko na wakufa bakake zobeta babi bakake zobeta grave na kati na Congo bakake zobeta nenga lobaki monima pe ezali. Alors, on a télébino babandi oyo botala, pour la baye question, a koufi bole langa na banzembo. Non, botala, boyo ka banzembo ya papa na biso Simaro Lutumba, na dédié ango et pa ya ambassadeur na biso Maman Marie Djeka. Na équipe na emo bimba ya ambassade, na dédié bino banzembo ya Simaro, tous les langues ensemble, bongo, bolanda reste à programme, o nosu et gozala après. Alors, can you put that video, please? Papa Lutumba, so sola yango. Oh, liwaye. Papa Lutumba, so sola yango. Bon, liwa, tokoki, kobanga yango, me tokoki mangote. Papa Lutumba, so sola yango. Donc, panangai, naibi liwa lizali. Naibi ki mongomso, nako kite mondo. En tout cas, naibi yango. Kibangi sa kote? Ya, mokolo nako kufa.
kake kobeta mokolo na kokufa nkake ekobeta kita ntima oyo olobelaka bato maloba na ngai ya nsuka na mboka oyo tozalaka na poete moko komina Lutumba Sinarotala ekeko na ye yango wa bon antuka ngai mpona ngai nayebi ke moto fa vivre suka na yango eyaliwa moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya ayeba olobela ye nsango soki mopaya ayeba alobela ye nsango ti mokolo nzambe akobenga ngai me mokolo ntango nzambe alobi ke pemana na wana pemi papa Lutumba sosola yango fulolo na maboko kende na limita ya tata okende kosenga kolimbisi okoki kotosa maloba na bonono na maboko kende na limita ya tata osenga kolimbisi okoyaki kotosa maloba na ye soki ezali testama redi yango oyo soko mokolo ngai nati zolo nango na likolo nakufi okamateka ya banzembo nyonso ya simaro boti okamateka ya banzembo nyonso ya simaro boti baupalere makasi ekobetaka kaka ntina kolela eyali te si je savais comme ça nalingaki kokamata na ngai ba distance oyo tala nzoto na ngai ekomi koni okwama ngai nakobela yokoki petesele soki ngai nayebaki nalingaki kolinga yo na mwa ba reserve ero soki nayebaki boye nde osakani na motema na ngai te me nasengaka mingi na bango balandaka nzembo na ngai bayokaka maloba nini lite ya nini nazopesa na kati na nzembo egalite o ezali se naza nope na ntango ya liwa kolelaka te o na bolingo ya nse mibali balingi se basi ya mobulu oyo akonyokola ye ye akolinga ye mingi o ekoma mabongo basi balingi mabala ya monyokoli oyo akosalisa ye ye akokamata ye nde ezoba na bolingo ya nse ekoma mabongo moto oyo okolinga ye ye akolinga mosusu mama yeye le mot vivant nakanisi naza lelo koyebisa bato basepelaka mosanga nasalaka na jamais na somba nzembo sambelaki nzala lelo lomingo mokolo bakristu bakokumisaka koloba jamai mpe nazwa nzembo ya moto nasala ekoma ya nsima yabo parceke ngai nabotama alanga nzembo ozalaka na poso tokabona kasi okozalaka kourage ya kolobela na verite foti ya mbanda te foti ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye komelesa ye koaluka na ye se mbongo e ngai na mbanda tokokani ye maya na misi lolemo nazoki makila masangani na nso ya monoko mosusu na bwaka mosusu na mela nakomi na badute pala eleki osengaki divorce obandaki kaka boye soki nalandaki lolendo na yo ezalaki se tokabwa na ye ya bongulero
na moni ona ndoto ola tiki toko ete usali sipeti ya monene sima ya mwango mwobeni hapende nye ola kisi ngande bana asyo mwe kontala ngayi na miso ule nanga usili kitu kandoto ya mbuku ya mama. Ma mélomane, tous les souhaits que je veux, je suis grand prêtre. Je suis un poète, je suis un poète, je suis un philosophe. Parce qu'il a toujours parlé, il a toujours utilisé le terme imagé. Oyoke. Donc les gens comprennent facilement, et puis ce qu'on comprend était. Donc ça dit que vous avez un coefficient intellectuel, vous avez un bagage intellectuel. Alors, le long à moi, on va présenter une mission. C'est pas le rôle, parce que sinon, on a posé une vieille question. Parce qu'au moins, dans le village, Bamindele, Mayele, Nabango, c'est transmettaka de génération en génération. Mais Bisso, Awa, donc, petit, il y a un pousse en apémé, il y a un tout. Mais on fait la musique au Yabango. Parce que si les lobbies sont menés à tout ça, les lobbies. Ils ont la Kofi, ils ont la Papa Wemba, ils ont la Bawenge, ils ont la Banane, Banane, tout ça, les lobbies. Ils ont la musique au Bavie, la Beta. Et on vient Simaro. Ça m'a bon vieux. Ça m'a dit qu'il y a Kilo. Bon, on a ce peu trop vieux. On a eu trop dans mon aïe depuis tout ça, la mission à Inter. Il y a vraiment et là on est pour ça où il y a la musique. Et là on est pour ça là il y a la musique les gens là quand tu es pour ça yo parce que yo il est collé qui malheureusement quand tu vois que tu es en gros non les gens à côté mais qui là n'ont pas les missions ils ont d'après ça qui yo où il y a ôté y a battu donc la bouton magie n'a qu'à ta musique il fallait quand même battre à découvrir quand même le talent qu'on a d'après ça qui n'a la bandi. Il y a un salaka, 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 il y a Papa Lutumba Simaro. Tolobaki, tozana mandoki ebele ya kugomela kayo banyama. Mais on a constaté que tous les gens qui ont été assassinés. Merci Félix Oazekwa, mon quoi bon. Hommage au Salinangaï, papa Nayo, à Zokende, à Vite Nankoufalobi, mais il voit un grand bâtiment à Gamote. Hommage au Sepeli Singaï, Yama, Or, Koukoué Koué Nabosoto, et à Sosoko Yango, le père de Valère Nangote. Soso et Lélie, Soso et Kolela, Koyango, Soso et Kolela, Lélie. Sima ya mwangunga tongo ikotana tongo ikotana uniko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa nalingaka ya papa Lutumba sima ho papa yo kaba koko na yo sakana mama
Yovali Kozela, c'est doué. Nalata, Badiamo, Nalata, Babeloure, Sote Pessinga, Melestite. Nabino, Kavula, Kalea, et ma parafiti. Ton amour, mon amour, mon papa, Lusumba. Papa Lutumba Simaro, votre poète. Merci papa.
question celle-ci. Par quand un programme, est-ce que le gouvernement a fixé la demande? Vous savez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc depuis 2015, nous n'avions pas fait de revue commune de l'économie du Congo. Donc on va commencer d'abord par remonter les manches, se mettre au travail et déterminer la situation économique ensemble pour faire ce qu'on appelle dans le FMI un article 4, c'est-à-dire que c'est un audit de l'économie de la République démocratique du Congo qui va nous permettre d'établir où sont les forces, où sont les faiblesses, où les politiques budgétaires doivent être améliorées, où la situation peut être là aussi améliorée sur le plan de la protection sociale des populations, et on donnera les conseils appropriés à Monsieur le Président et à son gouvernement. Et puis ensuite, on verra si on doit financièrement et si on peut financièrement de Monsieur le Président et de son gouvernement aider sous forme de programme. Mais on n'a pas besoin du programme pour déjà se mettre au travail. Donc ça commence lundi. Déjà lundi, sous quelle forme? Je crois que le ministre des Finances et certains de ses conseillers restent ici à Washington et la mission du FMI chargée de la République démocratique du Congo est mobilisée, prête à travailler dès lundi matin. Au moment où on voit le cours des matières premières fluctuer, souvent à la baisse, est-ce qu'il peut y avoir rapidement une aide à l'économie congolaise qui a plutôt été stable ces derniers mois? Et la mission de la famille, c'est d'aider les États membres de l'institution. Donc dès lors qu'on aura fait un audit complet de la situation économique et qu'on aurait besoin, à la demande du président, de mettre en place un programme de soutien, de financement, dans le cadre de l'amélioration économique qui est souhaitée, c'est tout à fait envisageable. Donc vous êtes positive? Je suis toujours optimiste et je suis ravie qu'on ait pu renouer la relation et mettre en place ce partenariat pour travailler ensemble à l'amélioration de la situation économique et de la situation des populations. Madame Lagarde, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, la question est celle-ci. Par quand un programme, est-ce que le gouvernement a fait la demande? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc depuis 2015, nous n'avions pas fait de revue commune de l'économie du Congo. Donc on va commencer d'abord par remonter les manches, se mettre au travail et déterminer la situation économique ensemble pour faire ce qu'on appelle dans le FMI un article 4, c'est-à-dire que c'est un audit de l'économie de la République démocratique du Congo qui va nous permettre d'établir où sont les forces, où sont les faiblesses, où les politiques budgétaires doivent être améliorées, où la situation peut être là aussi améliorée sur le plan de la protection sociale des populations, et on donnera les conseils appropriés à Monsieur le Président et à son gouvernement. Et puis ensuite, on verra si on doit financièrement et si on peut financièrement de Monsieur le Président et de son gouvernement aider sous forme de programme. Mais on n'a pas besoin. We welcome you with open arms. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Un si beau discours à dire quelque chose. So I also feel obligated after such a nice speech to say something. En effet, je suis plus que déterminé à engager mon pays, la République démocratique du Congo, sur une voie de la modernité. And indeed, I am more than engaged to take my country the democratic. Chers collègues, this is truly, truly a joyous occasion for us. Il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une alternative, d'une transition démocratique, d'une alternative démocratique du pouvoir donc dans un pays d'Afrique centrale. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. Je n'aimerais pas baptiser l'année de la République démocratique du Congo.
Because for the first time in its history, it will be democratic and truly a republic. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. I'm not going to make a long speech. Je ne vais pas prononcer un long discours. I just want to read a few of the achievements His Excellency has achieved since coming to power. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. And there's a much longer list. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Improved relations with Rwanda and Uganda. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Elected as second vice president of the African Union. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union africaine. Reached out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile. Ordered security forces not to block opposition rallies. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Ordered an end to arbitrary arrests. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Released hundreds of political prisoners. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Arrested and prosecuted police officers for using excessive force. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. Closed illegal detention facilities run by certain security elements. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Suspended several senior government officials for alleged corruption. Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. Et c'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Republic of Congo into a modern direction. Et donc je peux vous dire, Monsieur Nagy, soyez sûr, ces réformes vont continuer et également les progrès politiques et économiques. And you can be assured, Mr. Nagy, that this progress will be continuing and also economically. Parce que le but que j'ai, c'est de faire de la République démocratique du Congo, notre pays, un des fers de lance en Afrique, des pays d'Afrique. Because the goal that I have for the Democratic Republic of Congo is to make it one of the spearheading countries in Africa. Mon pays a énormément de potentialités et une possibilité d'évoluer très rapidement dans le bon sens. My country has enormous potentials and also is able to progress in the right direction. Malheureusement, maintenant, il est handicapé par d'abord un problème de sécurité. Unfortunately, currently, it is handicapped by problems, unfortunately, of security. Également, un problème de corruption endémique, je dirais. And also problems, I would say, of endemic corruption. Et un problème de structuration de son administration qui est très faible. And also a problem of structuring the administration, which is very weak. Et donc nos priorités vont aller dans ce sens. So our priorities will be moving in that direction. Pour remettre au centre de l'action l'homme congolais, l'homme évidemment avec grand H. C'est pas que je veux distinguer les hommes des femmes, mais c'est l'homme congolais and avec grand H, donc homme et femme. In order to put back into the center the human, the man in terms of human being. Not that I'm trying to remove the women from the story. Et donc, pour cela, nous aurons besoin plutôt d'un pays qui soit stable et qui ait des structures solides. And so, to do that, we will need a country that is stable and structures that are solid. Ainsi, nous pourrons tranquillement investir dans l'éducation et la santé. And so we will be able to try to easily invest into education and health. Et en améliorant notre administration, nous pourrons rassurer les investisseurs parce que nous améliorerons le climat des affaires. And by improving the climate in the country for business, we will be able to also bring more investors in. C'est ce qui explique ma présence ici aux États-Unis. And that is what explains my presence here in the United States. Les États-Unis qui sont le premier pays
hors Afrique que j'ai voulu visiter. The United States is the first country that I wanted to visit outside of Africa. Parce que j'ai voulu marquer ce déplacement par le symbole de l'unité que je souhaiterais voir se créer une unité davantage, parce que l'Amérique est un pays traditionnellement ami au Congo, mais nous aimerions consolider cette amitié, ces relations, et en faire un partenariat gagnant-gagnant. Because what I wanted to achieve is to be able to enforce the unity. With the United States, we've always been a friendly country, and we want to enforce that partnership. Et donc moi aussi, monsieur le secrétaire d'État, j'espère que ce sera une année du Congo, grâce évidemment à ce partenariat que je souhaite solide avec les États-Unis d'Amérique. And me also, Mr. Secretary, I would like to see this year to be the year of the Congo, and thanks to this partnership that we have with the United States. Thank you.